back in that bag, in that bag again. Whoa, whoa, yeah, yeah. Hey, 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 hey. Back in that, yeah. Tell them to watch it. Nah, I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide. Bonjour, moi c'est Florian Bastin. J'ai 23 ans. Je viens de Belgique, à Liège. Alors, ce week-end, on a un gros match. Un match assez important pour l'équipe, le moral, etc. Les huitièmes de finale au niveau de la coupe. Ça va être compliqué. On va devoir essayer de reproduire ce qu'on a fait à l'entraînement avec le coach. Le but est de pouvoir avoir une très bonne cohésion d'équipe, etc. Ensuite, voilà, nous, on a intégré l'Evolution Academy en janvier. Et c'est important parce que ça nous permet de nous évoluer, ça nous permet d'être meilleurs dans notre football, d'être plus rapide, plus efficace, plus lucide. Et donc voilà, je suis très content, je remercie le directeur, je remercie tout le staff et tout le monde qui nous ont bien accueillis. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous annonce ma signature au Real de Madrid. Pour commencer, dans les buts, c'est Mahmoud, vous commencez à le connaître, il était déjà titulaire la semaine dernière pour le dernier match de coupe. À gauche, c'est Jacques, à droite, c'est Manel, ça change pas. Petite spécificité, Manel est capitaine. Aujourd'hui, il a volé le brassard à Swan, là, secrètement. C'est pas immérité, quand on voit ses performances aux entraînements, au match, c'est logique. Joueur sérieux, un homme de l'ombre. En défense centrale, c'est Bouss et Maxence qui seront alignés ensemble. Déjà alignés en dernier match de championnat, me semble-t-il. Au milieu de terrain, on a Marvin Dilam. Wissam, petite nouveauté, au lieu de jouer en pointe, jouera cette fois-ci en milieu offensif. Florian à droite, Denis à gauche. Et puis devant, c'est Ilias, nouveau joueur aussi de la Pro Evolution Academy. Qui va trouver Maxence. Ok, contrôle. Et Boussé, pourquoi pas. Boussé, la frappe, ça fait but. Et ça fait but. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce but? Incroyable. C'est ce que je vous disais, si on frappe pas, on marque pas. Ben voilà, suffit de frapper. Sonne et Ilias, c'est du poste pour poste. Pour moi, Ed. Marvin, petit extérieur, tranquille. Frappe ça. Vous m'avez dit dans la boîte. Bon, il est bon, ballon, Elson. Deux entrants, premier ballon. La super passe de Mohamed pour Elson en deux temps. Magnifique. Mais tout est annoncé, mais tout est vu, c'est du vu et revu. Mais c'est but. Et c'est but pour Jacques Da Silva. Et ben voilà. Et ben ça finit là. Et ben sur le... On finit sur ce but de Jacques Da Silva. 3-0. Alors Florian, 3-0, victoire de la Pro Evolution Academy, on passe au prochain tour. On t'avait vu pendant l'Inside nous parler un petit peu de la préparation du match, de ton arrivée à Malte, etc. Un petit mot sur le match, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, bah alors effectivement, j'ai trouvé qu'on a eu un peu plus de difficultés à se trouver au début du match. Après, tout a été plus décisif à partir du but de Bousset, qui a un excellent goal. D'ailleurs, je le félicite, bravo à toi. Bravo aux autres buteurs aussi. Ça nous permet d'arriver en quart de finale maintenant. Et on va encore tout donner pour le prochain match. Et par rapport à toi, par rapport à ta prestation personnelle, qu'est-ce que tu en as pensé? On t'a vu tirer sur le montant, déçu, mais en même temps l'équipe a gagné. C'est quoi ton ressenti par rapport à tout ça? Ben oui, effectivement, très déçu quand même, parce qu'on essaye de rendre fier l'académie, fier en même temps sa famille, etc. Après voilà, je pense qu'on est une équipe. Il faut toujours avoir le smile même si on rate. Voilà, j'ai eu un piqué et plus le gardien qui va encore en chercher une. C'est comme ça. Je pense que j'ai quand même fait un bon match sur le reste et je suis content. Merci à l'équipe, merci à vous tous, merci de vous être battus. Et voilà. Eh ben écoute, merci à toi.